m'appelle Alexis Bonnarand, je suis éducateur canin dans les Yvelines depuis maintenant 4 ans au travers de ma société Du Chien 78. Et Du Chien 78 regroupe deux structures. On a une partie plutôt pour les cours individualisés où j'ai 3 personnes qui travaillent donc au travers de ma société ainsi que moi qui encadrons donc bilans comportementaux, cours à domicile, cours en forêt et également cours en ville. Et puis après on a une partie collective, une partie club avec tout un tas d'activités proposées. Et là, on est 6 encadrants en tout à encadrer ces activités. Alors, c'est un métier qui s'est un petit peu imposé à moi, entre guillemets. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à participer à des cours d'éducation avec ma chaîne, c'était une boxer, dans un club canin. Et puis dans ce club canin, les moniteurs, les encadrants ont vu que j'étais particulièrement impliqué et m'ont proposé à l'âge de 14 ans et demi, presque 15 ans, de commencer à encadrer des cours, suivre une petite formation et puis encadrer des cours dans un premier temps en binôme, puis après tout seul dans ce club. Donc j'ai encadré des cours d'éducation finalement de mes 14 ans et demi jusqu'à mes 18 ans en collectif. En club. Et puis pendant ce temps-là, j'ai continué à suivre quelques formations pour me spécialiser un petit peu plus et être capable de gérer des chiens plus compliqués. Arrivé à 18 ans, je monte une société pour pouvoir justement traiter ces chiens un petit peu plus compliqués sous un format individualisé et en parallèle d'autres études. Donc je fais tout un tas de cours et je continue à me former à côté pour monter en compétences et pouvoir traiter l'ensemble des problématiques qui peuvent se présenter à nous en tant que professionnels. Et puis maintenant, depuis quelques années, je travaille de façon à 100% sur ma société Du Chien 78. Et donc, comme je le disais précédemment, c'est quelque chose qui s'est bien développé parce qu'aujourd'hui, on a une structure club avec 6 encadrants, la partie cours individualisée où on est 4 éducateurs à encadrer l'ensemble des prestations. Et donc, c'est le métier parfait pour moi parce que ça combine 3 grands centres d'intérêt, voire 3 grandes passions qui sont d'une part les animaux, les chiens en particulier parce qu'ils partagent notre quotidien, mais j'apprécie tout un tas d'animaux et j'espère que j'aurai l'occasion dans ma vie de travailler avec un panel très large d'animaux. Et puis à côté de ça, il y a la partie pédagogie, la partie formation, puisqu'on fait aussi des formations qui m'intéressent énormément. C'est toujours super sympa quand on apprécie ça, mais d'encadrer des formations notamment sur la thématique des animaux, sur l'éducation, etc. On est toujours dans un bon esprit, c'est super sympa à encadrer. Et puis enfin, la troisième partie que j'apprécie beaucoup, c'est toute la partie organisation. Là, je gère ma propre structure, donc ça permet de créer des événements, de créer finalement des prestations et tout un tas de choses pour répondre aujourd'hui aux besoins des clients et puis pour satisfaire au mieux toutes les demandes que l'on peut avoir. Donc on a vraiment ces trois choses-là qui sont groupées au travers de la société avec un travail sur les animaux, ce qui est extraordinaire, en extérieur en plus, donc on travaille dans un cadre qui est quand même génial, le bureau est sympa. Et puis après, on a la partie pédagogie et la partie effectivement organisation et prestations qui est super sympa à organiser. Alors en termes de projet, comme je disais tout à l'heure, l'objectif est notamment de travailler avec beaucoup plus d'espèces à l'avenir, notamment sur de la médiation animale. L'idée est de créer un centre qui permette de regrouper tout un tas d'autres activités. On aurait effectivement de l'éducation, la partie club, de la formation, de la médiation animale avec d'autres espèces et en réalité tout un tas d'autres activités. Mais pour les grands projets à venir, pour l'instant, j'en dis pas trop. On verra quand ça se fera.